Une pâte à crêpes facile et sans grumeaux pour la chandeleur. Dans un récipient, on va d'abord mettre tous les ingrédients secs, 250 g de farine, 60 g de sucre et 5 g de sel. Ça nous donne 315 g en tout, et après avoir mélangé, on va ajouter exactement le même poids avec les ingrédients liquides. Avec l'aide d'une balance, je vais mettre 3 œufs, puis avec les 400 ml de lait nécessaires à la recette, je vais compléter jusqu'aux 315 g. Une fois atteint, je vais mélanger une première fois et vous allez voir que ça se fait tout seul et sans grumeaux grâce à l'équivalence entre le sec et le liquide. Si vous vous le demandez, toutes les quantités sont en description. Arrivé à cette étape, c'est là que vos préférences de goût entrent en action. Est-ce que vous voulez ajouter du rhum, pourquoi pas un peu de cidre, de la fleur d'oranger, ou même compléter à la bière, c'est à vous de voir parce que vous le savez bien, chaque famille a sa recette de crêpes. Personnellement, je vais ajouter 30 g de beurre fondu et verser le reste de mes 400 ml de lait que j'avais au début. Vous pouvez la laisser reposer pendant une heure afin d'avoir des crêpes plus solides et plus souples. Puis c'est parti. Je ne suis pas expert pour la cuisson, donc je laisse parler votre talent de crêpier en retournement de crêpes. Moi j'ai encore un peu d'entraînement à faire.